Hallelujah. Amen. So I want with you to invite our evangelist of the house, amen, Evangelist Henry, to join us to release the word of God in the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. So praise for those, for alors, I'm going to speak in French now. So the pastor was saying that he's going to speak in French. Alors je disais que je parlerai en français. Thank God. Allez, nous remercions le Seigneur. Let us pray. Alors nous allons prier. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. We thank you for this moment. Nous te remercions pour ce moment. We surrender ourselves. Nous nous abandonnons. Body, soul, and spirit. Corps, âme et esprit. At the altar of your sacrifice. À l'autel de ton sacrifice. So that your fire. Afin que ton feu. May burn us, O Lord. Vienne et brûler, nous brûler et nous consumer. And bring out a sense, O Lord. Et nous et fait sortir de nous une odeur. A sweet smelling aroma to you, Father. Et vraiment d'un arôme très bon et très de très bonne senteur en toi. That your name may be glorified. Afin que ton nom soit glorifié. On all the earth. Sur toute la surface de la terre. In every family. Dans toute famille, dans toutes les familles. In every house. Dans toutes les maisons. In every life. Dans toutes les vies. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. We therefore rise against. Seigneur, c'est pour ça que nous nous levons encore. We rise against. Nous nous levons contre. Every manipulation of the evil one. Toutes les manipulations de l'ennemi. Every demonic manipulation. Nous nous levons contre toutes les manipulations démoniaques. At this moment, en ce moment-là, that will want to steal away the word of God from people. Qui essaiera de voler la parole de Dieu des personnes. Or steal, oh Father, their understanding. Ou d'arracher leur compréhension. And we destroy it in the name of Jesus. Nous brûlons et détruisons cela dans le nom puissant de Jésus. Father, oh Père, we call on your holy presence. Nous appelons dans ta, à ta présence sainte. Father, to open the ears and the eyes of your people. À ouvrir les oreilles et les yeux de ton peuple. So they might see into the supernatural. De sorte qu'ils puissent voir dans le surnaturel. So they might hear your voice, de oh sorte God. Qu'ils puissent entendre ta voix. And follow you. Et te suivre. In Jesus' dans le name. Nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Priesthood. Ah, sacerdoce royal. Priesthood. Sacerdoce royal. Praise the name of the living God. Alors nous louons le nom du Dieu vivant. I think Minister Esther. Aujourd'hui, normalement, le ministre Esther. I think Minister Esther. Oh, je pense que ministre Esther. Je remercie. Oh, I think. Oh, I speak English, you know. So, je remercie le ministre Esther for her exhortation. Pour son exhortation. And when she started, I thought she was already delivering my message. Et quand elle a commencé, je pensais qu'elle était en train de délivrer mon message. Because she started exactly the way I wanted to start. Parce que elle a commencé exactement de la manière dont je voulais commencer. And I bless the name of the Lord. Et je remercie le nom du Seigneur pour sa vie. And we are reading from 1 Peter chapter 2. Alors nous lisons du livre de 1 Pierre le chapitre 2 from verse 9. Au verset 9. But ye are a chosen generation, mais vous êtes une race élue, a royal priesthood, une sacrificature royale, an holy nation, une nation sainte, a peculiar people, un peuple acquis, that ye should shew forth, pour que vous annonciez the praises of him, les vertus de celui who had called you out of darkness, de celui qui vous a appelé des ténèbres into his marvelous light, à sa merveilleuse lumière. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ah, louons le Seigneur. The Bible says, alors la Bible dit, in the beginning of that verse, et au début de ce verset, it says but, il dit mais. And he says, but. Mais il dit mais. And why does it start with but? Pourquoi la Bible commence avec mais? It starts with but because. Il commence avec mais parce que. Before the verse 9, there were some verses, verse 1 to verse 8. Parce qu'avant le verset 9, il y avait verset 1 à 8.
People might say, why am I saying it? It's obvious. If we are at verse 9, they should have been verse 1 and 8. Alors, les personnes peuvent se demander, mais pourquoi je le dis, c'est évident, parce que si nous sommes à verset 9, il y avait verset 1 à 8. But I'm saying it because it, from verse 1 to 8, je le dis parce que du verset 1 à 8, there is a picture that is drawn from what we can see today. Il y a une image qui peut être comprise de ce que nous voyons aujourd'hui. And today, what do we see? Et ce que nous voyons aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? We see a perverse generation. Nous voyons une génération perverse. Today, what do we see? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? We see a nation that sees good for evil and evil for good. Nous voyons aujourd'hui une nation qui regarde au mal comme étant le bien et le bien comme étant le mal. And so we want to restore what the kingdom of heaven says about the people. Alors nous voulons restaurer ce que nous voulons restaurer de ce que le ciel dit concernant son peuple. And the kingdom of God says that but. Et le royaume de Dieu dit mais. Because in the midst of this perverse generation, there is a but. Oh yeah, yeah, yeah. Parce que dans le milieu, au milieu de cette perverse génération, il y a un mais. And let me tell you this morning. Et laisse-moi te le dire ce matin. If in your life there is no but, si dans ta vie il y a pas de mais, then there is no difference. Alors c'est qu'il y a pas de différence. Because if you align yourself to the world, parce que si tu t'allies au monde. Then when they are describing you, alors quand commence à te décrire, hein, there will be no but. Il n'y aura pas de mais. Because you will be the same. Parce que tu seras la même chose. And so when if the word of God says but, alors si la parole de Dieu dit mais, it means there should be a but in your life. Et ça signifie qu'il doit avoir un mais dans ta vie. When your neighbor sees you, alors quand ton voisin te voit, and talks about the neighborhood, et parle concernant le voisinage, he should say but. Il doit dire mais. And when your colleague sees you, quand tes collègues te voient, and talks about the people at work, et parle de tes amis de travail, he should say but. Il doit dire mais. Why? Pourquoi? Because you do things differently. Parce que tu dis les choses, tu fais les choses différemment. Because you say things differently. Parce que tu dis et tu te comportes différemment. Because you see things differently. Parce que tu vois les choses différemment. And that is why the Bible said this morning. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ce matin. That in the midst of all that was happening. Dans le milieu de, au milieu de tout ce qui était en train d'arriver. But. Mais. You. Toi. Are different. Tu es différente. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. You. Toi. Are different. Tu es différent. And if you were not different before, et si tu n'étais pas différent avant, I beseech you this morning, alors je t'en prie ce matin, make a difference. Fais une différence. Make a but in your life. Fais un mais dans ta vie. Make a but so that the name of the Lord shall be glorified. Fais un mais pour de sorte que le nom du Seigneur soit glorifié. The Bible says, la Bible dit, that but you, but mais toi. And Minister Esther say, alors le ministre Esther a dit that you concerns the children of God. Le you concerne, il s'agit des enfants de Dieu. But I'm here to also preach to those, et je suis aussi là pour prêcher à ceux, who are not children of God, qui ne sont pas enfants de Dieu. And I'm saying that you, et je le dis que toi, that you can become, that you, vous, that vous pouvez devenir, that you can also become you, that le vous de ce verset peut devenir vous qui êtes là-bas. Yes, that you can also become you, that ce vous qui est dans le verset peut te concerner et devenir toi. If only you want to make a birth in your life. Si seulement tu veux faire un mais dans ta vie. And so I want to call unto you this morning. Alors ce matin je veux te t'inviter. If you hadn't made a but in your life before, tu n'as pas eu l'occasion de faire un mais dans ta vie avant. To come before the cross of Jesus Christ, de venir à la croix de Jésus Christ, and to make your but this morning, et de faire ton mais ce matin, and to tell the Lord, et de dire au Seigneur, Lord, Seigneur, this morning, ce matin, as I'm hearing the word of God, alors que j'écoute la parole de Father, Dieu, Father, I want to make a birth in my oh, life. Oh mon père, je veux faire un mais dans ma vie. I want my life to be a difference. Je veux ma vie à devenir une différence. I want my life to be a testimony to your word. Je veux ma vie de devenir un témoignage pour ta parole. Come and lead
lead me on the path of righteousness. Oh Seigneur, viens et conduis-moi dans le sentier de la justice. Come and be my Lord and my Savior. Oh Seigneur, viens et deviens mon Seigneur et mon Sauveur. And I give you my life this day. Je te donne ma vie ce jour. In Jesus' name. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom puissant de Jésus. If you have done this, si tu as fait cela, then now you can hear about the message. Alors si tu as fait ça, maintenant tu es le message te concerne aussi. Because this message concerns the people who have made a bet in their life. Parce que ce message concerne les personnes qui ont fait un mais dans leur vie. Those who have chosen Jesus Christ of Nazareth. Ceux qui ont choisi Jésus-Christ de Nazareth. Who have called him in their life and made and allowed him to be the Lord of their lives. Ceux qui ont appelé Jésus dans leur vie et lui ont permis de devenir le maître dans leur vie. And now you can listen and understand the word. Et maintenant tu peux entendre et écouter et comprendre la parole. And so I'm getting back to the verse. Alors je retourne au verset. Which says, but you are a chosen generation. Qui dit mais vous êtes une race élue. We won't be able to go through the entire verse today. Nous pourrons peut-être pas aller sur au travers de tout le verset aujourd'hui. Or take all the aspects of the verse today. Mais nous n'allons pas prendre tous les aspects de ce verset aujourd'hui. But we will take a few of those. Mais nous allons prendre un peu de cela. Amen. Amen. And so you are a chosen generation. Alors tu es une race élue. I want you to understand. Je veux que tu comprennes. That you are not elected. Que tu n'es pas élu. Because you know in the world people are elected. Parce que dans le monde les gens sont élus. When you want to occupy a position, you go through an election. Quand tu veux occuper une position, tu vas au travers des élections. You know the president went through an election. Le président est parti au travers des élections. The senators went through elections. Et tous les sénateurs au travers des élections. The members of the house went through election. Les préfets de l'assemblée au travers des élections. And even at times in the church, people go through elections. Et souvent même dans l'église, les personnes vont au travers des élections. To occupy positions in the church. Pour occuper des positions dans l'église. But let me tell you this morning that this position. Mais laisse-moi te le dire ce matin, cette position dont nous parlons. The position of priesthood. La position de sacerdoce royal. Of royal priesthood. De sacerdoce royal. It is a position where you are not elected. C'est une position où tu n'es pas élu. It is a position that where you are chosen. C'est une position où tu es choisi. You are not chosen by your father. Tu n'es pas choisi par ton père biologique. You are not chosen by your mother. Tu n'es pas choisi par ta mère biologique. You are not chosen by your spouse. Tu n'es pas choisi par ton époux ou épouse. You are not chosen by your elders. Tu n'es pas choisi par tes dévanciers. You are not chosen by your pastor. Tu n'es pas choisi par ton pasteur non plus. You are not chosen by the church of God. Tu n'es pas choisi par l'église de Dieu. You are not chosen by the people or tu your neighbors. Tu n'es pas choisi par les peuple ou les personnes ou les voisins. You are not chosen by the community. Tu n'es pas choisi par la communauté. But you are chosen by God. Mais laisse-moi te dire, tu es choisi par Dieu. You are chosen by the Ancient of Days. Tu es choisi par celui qui règne depuis les anciens. You are chosen by the Alpha and Omega. Tu es choisi par celui qui est l'alpha et l'oméga. You are chosen by the beginning and the end. Tu es choisi par celui qui est le début et la fin. You are chosen by the one that knows the end before the beginning. Tu es choisi par celui qui connaît la fin à partir du commencement. You are chosen by the one who was, is, and is to come. Tu es choisi par celui qui était, qui est et qui vient. He is the one who chose you. C'est celui qui te choisit. You have to remember that. Tu dois te rappeler de ça, te souvenir de ça. So because you are not chosen by men, alors parce que tu n'es pas choisi par les hommes, you don't have to please men. Tu ne dois pas chercher à plaire aux hommes. In that position, dans cette position, you have to please the one who have chosen you. Tu dois choisir de plaire à celui qui t'a choisi, qui t'a appelé. God Almighty, le Dieu tout-puissant. Jesus Christ of Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. And so you are a chosen generation. Alors tu es une race élue. And because you are a chosen generation, parce que je suis une race élue, you need to know what the position entails. Tu as besoin de savoir qu'est-ce cette position, qu'est-ce qu'elle renferme. Yes, you have to know the job description of that position. Tu dois comprendre le descriptif de cette position. And this is what a part of it that we're going to talk about today. Et là, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, une part de cela. And so you are a chosen generation, a royal priesthood. Alors tu es une race élue. Un sacerdoce royal. And you know when we talk about royal priesthood. Alors quand nous parlons du sacerdoce royal, there is the word royal first. Il y a d'abord le mot royal. Why royal? Pourquoi royal? Because you are a king, you are a son and a daughter of the king. Parce que tu es enfant, fille ou fils du roi.
You are the son or the daughter of the King of Kings. Tu es le fils ou la fille du roi des rois. Of the Lord of Lords. Du Seigneur des Seigneurs. Of the one who holds all kingdoms in his hand. De celui qui tient tous les royaumes dans sa main. And that is why it calls you royal. C'est la raison pour laquelle il t'appelle royal. And then you should act like a royal prince or princess. Alors tu dois agir et te comporter comme une princesse royale ou un prince royal. You know, back in Africa. Vous comprenez dans notre pays en Afrique. And maybe the English people can also understand this. Peut-être aussi better. Même ceux qui sont des États-Unis, born nés des États-Unis peuvent comprendre. No, from England. Ceux qui sont de l'Angleterre peuvent comprendre. Because I know that they still have queens there. Parce que je sais qu'ils ont encore. And princes and princesses. Parce que je sais qu'en Angleterre ils ont encore une reine, des princes et des princesses. And so they can picture what I'm going to say. Alors ils peuvent mieux imaginer ce que je vais dire. You know, princes and princesses. Alors vous savez, les princes et les princesses. They don't work like every other person. Ils ne marchent pas comme toutes les personnes marchent dans la rue. I'm telling you, they don't walk like any other person. Ils ne marchent pas comme tout le monde. They don't dress like any other person. Ils ne s'habillent pas comme tout le monde. They don't talk like any other person. Ils ne parlent pas comme tout le monde. They don't act like any other person. Ils n'agissent pas comme tout le monde. They have guidelines. Ils ont une manière, un suivi. That were taught from their childbirth. Qui leur a été enseigné depuis leur naissance. And they grew up with it. Et ils ont grandi avec cela. And let me tell you that in John chapter 1. Alors laisse-moi te le dire dans le livre de Jean le chapitre 1. On verse 12. Dans le verset 12. The Bible says that when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. La Bible dit que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. You become born again of God. Tu deviens né de Dieu, né de nouveau de Dieu. And you are born of God and of His Spirit. Et tu es né de Dieu et de son Esprit. And because you are now born of God, et parce que maintenant tu es né de Dieu, who is the King of Kings, qui est le roi des rois, and the Lord of Lords, le Seigneur des Seigneurs, you are by birthright a prince or a princess. Tu deviens par droit de naissance un prince et une princesse. And so you need to be taught. Alors tu as besoin d'être enseigné. The ways of princes and princesses. Les chemins et les manies des princes et des princesses. So that you will not walk. Alors que de sorte que tu ne marches pas. So you will not, you know, dress. De sorte que tu ne t'habilles pas. So you will not talk. De sorte que tu ne parles pas. So you will not see things and do things the way you used to do. De sorte que tu ne vois pas et ne fasses pas des choses de la manière dont tu le faisais avant. But that you will do them. De sorte que tu le fasses maintenant. As princes and princesses of the kingdom should. Comme princes et princesses du royaume. Comme il devrait le faire. But I'm not here to talk about this morning about royalty. Alors je ne suis pas là pour parler ce matin de la royauté. But I just wanted to lay the foundation of your priesthood. Mais je veux simplement établir les fondations de ton sacerdoce royal. So you will know. Alors de sorte que tu saches that you are not only a priesthood. Que tu saches que tu n'es pas seulement un sacerdoce royal. That you are not only a priest. Que tu n'es pas seulement un sacrificateur, but that you are a royal priest. Tu es un sacrificateur royal. Amen. Amen. That you are a royal priest. Que tu es un sacrificateur royal. So if other priests, you know, used to do things a certain way. Peut-être que d'autres sacrificateurs avaient leur habitude de faire des choses d'une certaine manière. The royal priest will have to do something different. Le sacrificateur royal doit faire les choses de façon différente. And that is why the verse started with but. C'est la raison pour laquelle le verset commence avec mais. Which, you know, signifies a difference. Ce qui signifie qu'il y a une différence. A demarcation. Une démarcation. A set aside. Une mise à part. Amen. Amen. And so the priesthood. Alors le sacerdoce royal. The royal priesthood. Le sacerdoce royal. Or the royal priest. Sont les sacrificateurs royaux. Are servants of God. Qui sont des serviteurs de Dieu. The first, you know, in the Bible, in Genesis chapter 8, verse 20. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 8, le verset 20. The Bible make us to understand that the head of the family. La Bible nous fait comprendre que celui qui a la tête de la famille.
was the one who was the priest of the family. C'est celui qu'on appelle le prêtre de la famille, le sacrificateur. So in a family where you have a husband, a wife and children. Alors quand dans une famille tu as l'homme, le mari, la femme et les enfants, then you have a priest. Alors tu as un sacrificateur. Who is the husband? Qui est le mari? Who is the father of the children? Qui est le père des enfants? And what about those who don't have wives and children? Alors qu'en est-il de ceux qui n'ont pas des époux, des enfants? The Bible says that you are still a priest. La to Bible yourself. Dit que quoi que ce soit, quoi que tu n'en aies pas, tu deviens et tu restes un sacerdoce royal. Amen. Amen. Let's read in from Hebrews chapter 5. Alors lisons du livre de Hébreux le chapitre 5. And so we will see the first characteristics of a priest. Alors nous allons voir les premiers caractères d'un prêtre, d'un sacrificateur. Hebrews chapter 5 from verse 1. Alors Hébreux chapitre 5 à partir du verset 1. For every high priest taken from among men. Alors car tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes is ordained for men in things pertaining to God. Est établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu. So the Bible says that every high priest. Alors la Bible dit tout souverain sacrificateur is ordained for men. Ils sont établis pour les hommes in the things of God. Dans les choses qui concernent Dieu. And so that is why I said that the priest. C'est la raison pour laquelle je dis que le sacrificateur is a servant of God. Est un serviteur de Dieu. Because he takes care of the things pertaining to God. Parce qu'il prend soin des choses qui concernent Dieu. But he is taking care of those things. Mais en prenant soin des choses, de ces choses, he is serving the people. Il sert le peuple. That is why he has been ordained for men. C'est la raison pour laquelle il a été ordonné pour les hommes. And I know a lot of people don't want to hear about service. Je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre et entendre le service. Because they don't want to serve. Parce qu'ils ne veulent pas servir. And they want to be served. Ils veulent être servis. In the world, people want to be served. Dans le monde, les gens veulent être servis. And they want to be served quickly. Et ils veulent être servis rapidement à fast food. They don't want to wait. Ils ne veulent pas attendre. And in the church, et même dans l'église, people want to be served. Même dans l'église, les gens veulent être servis. We appoint elders. We appoint elders. Les anciens. On choisit les anciens. We appoint deacons. On choisit les diacres. And instead of them serving the people. Et au lieu que ces diacres et ces anciens vont servir le peuple. They ask the people to serve them. Ils sont assis avec leur gros ventre et puis ils demandent au peuple de les servir. Because they think the position gives them the authority to, you know, to be served by the people. Parce qu'ils pensent que leur position leur donne l'autorité d'être servi par le peuple. They believe that they deserve service and honor because they are elders. Ils pensent qu'ils méritent le service et l'honneur parce qu'ils sont anciens. And they believe that they deserve that service and honor because they are deacons. Et ils pensent qu'ils le méritent simplement parce qu'ils sont diacres. And that they are above those in the church. Et qu'ils sont au-dessus de ceux qui sont dans l'église. And so those who are a little bit lower than them. Et donc tous ceux qui sont un peu plus en dessous d'eux. According to their own mindset. En fonction de leur propre mentalité. They believe they should serve him. Ils pensent et ils croient que ces personnes doivent les servir. But they have not understood. Mais ils n'ont pas encore, ils n'ont rien compris. What the priest is. Qu'est-ce que c'est que le sacrificateur? Because every time that you are chosen by God to be a priest. Parce que chaque fois que tu es choisi par Dieu à être un sacrificateur. You have to serve the people. Tu dois choisir, tu dois servir le peuple. And Jesus gave us an example. Et Jésus nous a donné un exemple. And you know the night of the last night of the supper. Alors la dernière nuit au souper. He said he washed his disciples' feet. Il a lavé les pieds de ses disciples. In example, and he told them, if you want to be served, then you should start serving others. Comme un exemple, et puis il leur a dit, si vous voulez servir, si vous voulez être servi, vous devez commencer par servir les autres. Because in the kingdom of God, parce que dans le royaume de Dieu, greater is he that serves than he who is served. Celui qui sert est plus grand que celui qui veut être servi. Amen. Amen. And so, if you had that mindset before, alors si tu as cette mentalité avant.
To be served and not to serve. D'être servi et non pas servir. Hein? Let me tell you, you will be the least in the kingdom of God. Oh, laisse-moi te dire, tu seras le plus petit dans le royaume de Dieu. And you will be the least in the church of God. Et tu seras le plus petit dans l'église de Jésus-Christ. And you will not fulfill your calling of as a priest. Et tu ne pourras pas accomplir ton œuvre. Ton appel en tant qu'un sacrificateur. Hebrews 5, verse 1. La Bible dit dans le livre de Hébreux 5, 1. And as he is ordained for man in the things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Alors, car tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu, afin qu'il offre des dons et des sacrifices pour les péchés. Amen. Amen. And so the priest, alors le sacrificateur, is not only serving the people, qui n'est pas seulement en train de servir le peuple, he should offer sacrifices. Il doit offrir des sacrifices. He should offer gifts. Il doit offrir des holocaustes et des dons, des sacrifices. For the sins. Pour les péchés. Not only the sin, not only his sins. Non pas seulement ses propres péchés, but the sins of others. Mais pour les péchés des autres. So he should be the one standing at the gap. Il doit être la personne qui s'arrête au milieu du vide. Standing at the gap. Se tenir à la brèche. Ah, bah ok. Donc, celui qui se tient à la brèche, au rempart. Yes, yeah, standing at the gap for the praying for his people. Celui qui doit se tenir à la brèche, au rempart, pour prier pour son peuple. Are you standing at the gap for your family? Est-ce que tu t'arrêtes au rempart, tu te tiens à la brèche pour ta famille? Are you praying for your family? Est-ce que tu pries pour ta famille? Are you standing at the gap for your neighborhood? Est-ce que tu te tiens à la brèche pour ton voisinage? Are you praying for your neighborhood? Est-ce que tu pries pour ton voisinage? Are you standing at the gap for your colleagues? Est-ce que tu te tiens à la brèche pour tes collègues? Are you praying for the sins of your colleagues? Est-ce que tu pries pour les péchés de tes collègues? Are you standing at the gap for your community? Est-ce que tu te mets à la brèche pour ta communauté? For your state? Pour ta nation? For your country? Pour ton pays? Are you praying for the sins of the people of God? Est-ce que tu pries pour les péchés des personne des peuples de Dieu. Amen. Amen. The Bible says that if you are a priest, la Bible dit que si tu es sacrificateur, you should offer gifts and sacrifices for sins. Tu dois offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. For the sins of man. Pour les péchés des hommes. You know, the Bible says, God says that he does not delight in the death of a sinner. La Bible dit que Dieu ne se plaît pas dans la mort d'un pécheur. But he delights in his repentance. Mais il se plaît dans la repentance du pécheur. He delights when the sinner turns from his evil ways and comes back to him. Il se plaît lorsque le pécheur tourne de ses mauvaises voies et revient à lui. And so God did not establish you as a priest only over the people of God. Alors Dieu ne t'a pas seulement établi comme un sacrificateur au-dessus du peuple de Dieu, but also as a priest over all men. Mais en tant que sacrificateur pour tout homme. So that you will bring them to the knowledge and the saving knowledge of Jesus Christ. De sorte que tu puisses les envoyer et les amener à la connaissance salvatrice de Jésus Christ. That is why there should be a but in your life. C'est la raison pour laquelle il doit avoir un mais dans ta vie. That is why there should be a difference in your life. C'est la raison pour laquelle il doit avoir une différence dans ta vie. Because if there is no difference, parce que s'il y a pas de différence, then you cannot be a priest to the unbelievers. Alors tu ne peux pas être sacrificateur pour les non-croyants. Because they won't see any difference between you and them. Parce que ils ne verront aucune différence entre toi et eux. And they wouldn't see why they should come and be like you because you are like them. Mais ils ne seront pas la raison pour laquelle ils doivent être comme toi parce que tu es justement comme eux. But there should be a birth. Mais il doit avoir un mais. A difference. Une différence. And so you are established as a priest over all men. Alors tu es établi comme un sacrificateur pour tout. To offer gifts and sacrifices of sin. Pour offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. You have to plead for the sins of the world. Tu as besoin de prier et de prier pour le péché du monde. So that God will forgive them. Pour que le Père les pardonne. And that he will bring them to his saving knowledge. De sorte qu'il puisse les amener à son salut. La connaissance Amen. De son salut. Amen. That is one of the characteristics. That is one of the assignment of a priest. C'est l'une des tâches pour le sacrificateur.
of the royal of a royal priest. D'un sacrificateur royal. He has to bring back all the scattered people of his nation back into his kingdom. Il doit ramener toutes les personnes éloignées, dispersées de sa nation de retour dans le royaume. Amen. Amen. And so, as I was saying, alors comme je le disais, we have an example of a chief priest in the Bible. Alors nous avons un exemple d'un grand prêtre dans la Bible. And Hebrew talks about it, talking about Jesus Christ himself. La Bible parle de Jésus-Christ lui-même. Who is the high priest according to the order of Melchizedek. Qui est un souverain sacrificateur en fonction de l'ordre de Melchizedek. And so the chief priest's privilege is to access God. Alors le privilège le plus grand c'est d'accéder à Dieu. And under the law, the high priest could not access, could only access the holies of holies. Alors, sous la loi, le souverain sacrificateur ne pouvait accéder. Could only access the holies of holies. Ne pouvait accéder que le lieu très saint. Yep. The high priest, only the high priest. Seulement que le souverain sacrificateur, le grand prêtre, était capable d'accéder au lieu très saint. Seulement que lui. And we know that our high priest is Jesus Christ of Nazareth. Et nous savons que notre grand souverain sacrificateur est Jésus-Christ de Nazareth. And so according to the law, alors, en fonction de la loi, only Jesus could access God. Seulement Jésus peut accéder à Dieu. But thanks be to God. Mais merci au Seigneur. Because of the grace. À cause de la grâce. And because of the death and resurrection of Jesus Christ. Et à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Where the veil was torn in the temple. Où le voile était déchiré dans le temple. That gave access to every priest to access God. Cela donnait accès à tout souverain d'accéder à Dieu. Amen. Amen. And so not only Jesus can access God. Alors non pas seulement que Jésus peut accéder à Dieu. But you and I can access God as well. Nous aussi, toi et moi, pouvons accéder à Dieu aussi. And so I don't want you to listen to people. Alors je ne voudrais pas que tu écoutes ces personnes. Who says that to access God you should go through somebody else? Who disent que pour accéder à Dieu tu dois aller au travers de quelqu'un d'autre? That maybe you should go through saints. Peut-être que tu dois aller au travers des saints. Maybe you should go through a pastor. Peut-être que tu dois aller au travers des pasteurs. Maybe you should go through a priest. Peut-être que tu dois aller au travers des prêtres. Maybe you should go through a prophet. Peut-être que tu dois aller au travers des prophètes. No. Non, c'est faux. The Bible says, la Bible dit, as the veil was torn, comme le voile est déchiré, now you can access the holies of holies. Maintenant, tu peux accéder au lieu très saint. You and I. Toi et moi. Before God. Devant Dieu. Amen. Amen. And so you have access to God. Alors tu as accès à Dieu. And you can talk to God. Tu peux parler à Dieu. You can exercise your office before God. Tu peux exercer ta position devant Dieu. Amen. Amen. And so a sacrificer who is the one who offers a fourfold sacrifice. Alors un sacrificateur c'est celui qui offre les quatre dimensions du sacrifice. The first sacrifice. La première dimension du sacrifice. Is his living body. C'est son corps vivant. Amen. Amen. Romans 12:1 says, offer, I beseech you, brethren. Dans le livre de Romains, le chapitre 12, verset 1, il dit, je vous en prie, frères. To offer yourself as a living sacrifice. D'offrir, to offer your bodies as a living sacrifice. D'offrir vous-même votre corps comme un sacrifice vivant. Holy and acceptable. Saint et acceptable. That will be your reasonable worship. Cela sera ta vraie adoration. Amen. Amen. And so the first sacrifice, type of sacrifice, alors is your own living body. Alors la première catégorie, la première dimension de sacrifice, c'est ton propre corps. And so as you offer your body, your physical body, I'm not talking about your spiritual body, but I'm talking about your physical body. Alors que tu offres ton corps physique, je ne parle pas du corps spirituel, mais de ton corps physique. It means that you cannot put on anything that is not godly on that body. Cela signifie que tu ne peux pas mettre des choses sur ton corps qui ne sont pas pures et saintes et pieux. Amen. Amen. And amen. So you cannot wear anyhow. You cannot dress anyhow. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. You cannot, you know, use your members anyhow. Tu ne peux pas utiliser tes membres n'importe comment. Because that body. Has been offered as a sacrifice. Parce que ce corps a été offert comme un sacrifice. As priest, as a priest. En tant qu'un sacrificateur. Amen. Amen. And so stop using your body. Alors arrête d'utiliser ton corps. Anyhow. N'importe comment. Because that body, as a priest, has been offered as a sacrifice to God. Parce que ce corps en tant qu'un sacrificateur a été offert à Dieu.
en sacrifice. The second sacrifice, de la deuxième dimension de sacrifice, is a sacrifice of praise. C'est le sacrifice de louange. Hallelujah. Amen. The fruit of your lips giving thanks to his name. Le fruit de tes lèvres donnant louange à son nom. Amen. Amen. Hebrews 13:15 and Exodus 25:22. Hébreux 13, 15 et Exode 25 au verset 22 talks about how we should offer a sacrifice of praise. Nous explique comment nous devons offrir le sacrifice des louanges. Indeed, we have to praise God in season and out of season. Éventuellement, nous avons besoin de louer Dieu dans les bons comme dans les mauvais temps. We shouldn't just praise God when we feel like. Nous ne devrons pas simplement louer Dieu parce que nous le sentons. We shouldn't just praise God when we want to. Nous ne devrons pas simplement prier Dieu simplement parce que nous le voulons. Or when good things are happening to us. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Ou quand les bonnes choses nous arrivent. Ah, Seigneur, que ton nom soit béni. We got a job. Praise the Lord. Quand nous avons un nouveau travail. Ah, Jésus. We got a promotion. Praise the Lord. Quand nous avons une promotion. Eh, hey, alléluia. We got a child. Praise the Lord. Nous avons un enfant. Hey, louons le Seigneur. We got an increase. Praise the Lord. Nous avons une augmentation salariale. Eh, hey, Jésus-Christ. We got a ministry. Praise the Lord. Nous avons un ministère. Eh, hey, mon Jésus. But when we got fired. Mais quand on a été renvoyé. Why God? Eh, hey, Seigneur, pourquoi même? Dis n'importe quoi. When we got demoted. Quand nous avons été rétrogradé. Why God? Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? You know when we don't see any good throughout the month. Quand on ne voit pas des choses bonnes au travers du mois. Maybe our child is sick. Peut-être que notre enfant est malade. Or maybe we are sick. Peut-être que nous sommes malades. Maybe and we don't see the healing coming. Non, on ne voit pas la guérison venir. Why God? Oh Seigneur, pourquoi? There is no more praise the Lord. Il n'y a plus de hey, Seigneur sois béni. No, there is no more praise the Lord. Non, ça disparaît tout simplement. Il n'y a plus de Seigneur sois béni. Why? Pourquoi? Because we don't know that we are priests. Parce que and nous royal savons priests. Pas que nous sommes des sacrificateurs et des sacrificateurs royaux. And that one of the sacrifices that a priest offers is a sacrifice. Of praise. Et l'un des sacrifices que le grand prêtre sacrificateur offre, c'est le sacrifice des louanges. And we have to praise God at all times. Et nous avons besoin de louer Dieu à tout temps. We need to praise God at all times. Nous devons louer Dieu à tout temps. Why do I say that? Pourquoi je le dis? First, because the Bible says. Parce que premièrement la Bible dit. That all things works together. Parce que toutes choses concourent au bien. For the good of those that love God. De ceux concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. And that are called according to his purpose. Mais qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. And so if you believe that all things work together for your good. Alors si tu crois que toutes choses concourent à ton bien. Then why will you say why? Mais pourquoi tu dis pourquoi? And why can't you just praise? Mais pourquoi tu ne peux pas simplement louer Dieu? In the midst of your problems. Au milieu de minuit de when tes you problèmes. Are, when you are pressed from all sides. Quand tu es oppressé de tout niveau à tout niveau. When you don't see the healing coming. Quand tu ne vois pas la guérison venir. When you don't see the breakthrough coming. Quand tu ne vois pas la percée venir. When you don't see the job coming. Quand tu ne vois pas le travail venir. When you don't see the promotion coming. Quand tu ne vois pas la promotion venir. When you don't see the ministry growing. Quand tu ne vois pas le ministère grandir. When you don't see anything good, quand tu ne vois rien de bien, de quelque chose de bien, why de bon, can't you just praise pourquoi God? Tu ne simplement pas, tu ne loues pas simplement le Seigneur. Just on the basis, simplement sur les choses les plus petites, les bases. Just on the basis of that word, simplement sur la base de cette parole, which says all things works together for your good. Simplement sur la fondation de cette parole qui dit toutes choses concourent au bien. You are a royal priest. Tu es un sacrificateur royal. And so you should praise God at all times. Alors tu dois louer Dieu à tout temps. Amen. Amen. That's the first reason why you should praise God. C'est la deuxième raison, la première raison pour laquelle tu dois louer Dieu. The other reason. Alors les autres raisons.
It's because God commanded it. C'est parce que Dieu l'a commandé. That rejoice always. Il a dit commande, il a dit réjouis-toi tout temps, tout temps. He did rejoice always. Il a dit réjouis-toi tout temps. He didn't say. Il a pas dit. That you can rejoice always. Il n'a pas dit tu peux te réjouir en tout temps. Because if he had put that can there, ici, parce que s'il met le peu dedans, then you can you have the choice. Tu as le choix maintenant. With the can, you have the choice. Avec le peu, tu as le choix. And you can choose to praise. Et tu peux choisir de prier, de louer. Or you can choose not to praise. Et tu peux choisir non de ne pas louer. And so maybe when things are tough. Et peut-être que quand les choses sont dures et difficiles. You might choose not to praise. Tu vas choisir non pas de louer. And there will be a ground for it. Et il y aura justement une raison pour cela. But because he didn't put can in. Parce qu'il n'a pas mis dedans pouvoir. Hein. And let me tell you, it's not just the translation. Ce n'est pas seulement une traduction. And even in the original, you know, in the original word of the Bible. Même dans l'origine de la Bible. Written in Hebrew and Greek. Écrit en hébreu et en grec. The meaning there is no option of choice inside. Dans la signification, il n'y a pas de choix à l'intérieur. And because there is no choice. Parce qu'il n'y a pas de choix. You have to. It's a command. C'est un commandement. Tu dois le faire. You have to do it. Tu dois le faire. You have to rejoice. Tu dois te réjouir. Always. Tout le temps. Amen. Amen. And so you have to praise God. Alors tu dois louer Dieu. The third sacrifice. Alors, before to go to the third sacrifice, hallelujah. Amen. Because we are a living community, we will put it in practice. Amen. So. And so, oui, parce que nous sommes une. Avant qu'on ne passions au troisième sacrifice. You can say in English. Okay. All right. So, the pastor was saying that because we are a living community. Alors, parce que nous sommes une communauté vivante. That before we go to the third sacrifice, we should put it the second sacrifice in practice. Alors, avant d'aller au troisième sacrifice, nous allons mettre le deuxième sacrifice en pratique. Amen. Alors, lève-toi. And so you have to get up. Alléluia. Debout, mets-toi sur ton pied. Get up. Alléluia. Amen. And praise God. Et praise God. Alléluia. Praise God. Loue le Seigneur. And rejoice. Et commence à te réjouir en Dieu. Je te remercie, Seigneur. Commence à te réjouir en son Seigneur. Don't think about your situations. Il ne faut pas penser à ton problème. Don't think about your issues. Il ne faut pas penser à ton ennui. But rejoice in the presence of God. Mais il faut te réjouir dans la présence Because de Dieu. That's the command of the Lord. Parce que c'est un commandement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 So rejoice. Alors réjouis-toi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur. Amen. Amen. The third sacrifice. Alors le troisième sacrifice is you have to offer your substance. Alors tu dois offrir ta substance. Tu dois offrir ta substance. Amen. Alléluia. Let's take Romans 12. Yeah. Alors ça, allons-y dans le livre de Romains le chapitre 5. 12. Le chapitre 12, excusez-moi. Romans 12, verse 13. Alors, le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 13. And before that, I want us to even read verse 12 also, to remind us again about the rejoicing. Et je voudrais simplement aussi que nous retournions au verset 12 pour le rappel de la réjouissance. Verse 12 says, rejoice in hope. La Bible dit dans le verset 12, vous réjouissant dans l'espérance. Patient in tribulation. Patient dans la tribulation. Continuing instant in prayer. Persévérant dans la prière. And now verse 13 says. Maintenant le verset 13 dit. Distributing to the necessity of saints. Subvenant aux nécessités des saints. Given to hospitality. Vous appliquant à l'hospitalité. And so your substance. Alors ta substance. Is what you bring to the altar. C'est ce que tu envoies à l'autel. And it's about your offerings and your tithes. C'est concernant tes offrandes et tes dîmes. And so as a priest of God, alors comme un sacrificateur de Dieu, you have to offer your substance. Tu as besoin d'offrir tes substances. Your tithe because that's a command.
ta dîme parce que c'est un commandement. But also your offerings because you rejoice of what God is doing in your life. Mais aussi tes offrandes parce que tu te réjouis de ce que Dieu fait dans ta vie. And so if you don't bring your substance, alors si tu n'envoies pas tes substances, you are not disobeying to the ministry or to the pastor. Tu n'es pas seulement en train de désobéir au pasteur ou au ministère. But you are disobeying to God. Mais tu es en train de désobéir et te rébeller de Alléluia. Amen. Tu es en train de désobéir à Dieu. Amen. Amen. And so you have to bring your substance. Alors tu as besoin d'emporter tes substances. And your substance can be money. Alors tes substances peuvent être de l'argent. Your substance can be time. Tes substances peuvent être ton temps. Your substance can be your skills. Tes substances peuvent être tes talents. Your substance can be anything that God has given you. Alors tes substances can peut-être toute chose que Dieu t'a mis en main. Your gifts. Tes dons. Those are your substance. Ceux-ci sont tes substances. Amen. Amen. That you have to offer to God. Tu as besoin d'offrir à Dieu. In the service to others. Dans le service aux autres. And that is why the Bible says. C'est la raison pour laquelle la Bible dit. And that Apostle Paul says. L'apôtre Paul dit. That the fivefold ministries. Que les cinq caractères du ministère. And the gifts of the Holy Spirit. Et les dons du Saint-Esprit. Have been given. A été donné. For the edification of the people of the saints. Pour l'édification des peuples et des saints de Dieu dans l'église. Because they have to serve people. Parce qu'ils ont besoin de servir le peuple. The priest should serve the people. Le sacrificateur doit servir le peuple. And each and every one of us, we are priests. Et chacun de nous sommes des sacrificateurs. Amen. Amen. Chosen by God and not by man. Choisi par Dieu, non pas par les hommes. And the last sacrifice. Alors le dernier sacrifice dont je veux parler aujourd'hui. Is the sacrifice of doing good. C'est le sacrifice de faire le bien. Of doing good. Faire le bien. We need to do good. Nous avons besoin de faire le bien. Not only to those that we love. Non pas seulement à ceux que nous aimons. Because the Bible says that if you do good to those that do good to you. La Bible dit si tu fais seulement le bien à ceux qui te font le bien. What difference does it make? Will you make? Quelle différence le fais-tu? There is no difference between you because the people of the world. Il y a pas de différence entre vous parce que les gens du monde. Also do good to those that do good to them. Font du bien à ceux qui leur font du bien. They forgive those who forgive them. Et ils pardonnent à ceux qui le pardonnent. They help those who help them. Ils aident ceux qui les aident. And so if you do the same, alors si tu fais la même chose, there is no difference between you and them. Il y a pas de différence entre toi et eux. And there is no bad in your life. Il n'y a pas de mal dans ta vie. But if you do differently, mais si tu fais différemment, according to the Jesus Christ, selon Jésus-Christ, you have to forgive even those who don't forgive you. Tu as besoin de pardonner même ceux qui ne te pardonnent pas. Because you are dealing with the things pertaining to God. Parce que tu gères avec les choses concernant Dieu. You have to do good to those who even those who do evil to you. Tu as besoin de faire de bien même à ceux qui te font du mal. Because you are dealing with the things pertaining to God. Parce que tu gères avec les choses concernant Dieu. There is something you must understand as you do good to everyone including those who do evil to you. Tu as une chose que tu dois comprendre, si tu fais quand tu fais le bien à toute personne incluant toutes les personnes qui te font du mal. For those who do evil to you, the Bible says that as you do good, la Bible dit pour ceux qui te font du mal, ceux qui te font du mal alors que tu fais du bien, you are gathering, you know, charcoal, yeah, hot charcoal, hot coals on their head. Pendant que tu fais le bien à ceux qui te font du mal, tu amasses des feux ardents sur leur tête. And so you don't need to pray for God to strike them with your fire. Donc, tu n'as pas besoin de te fatiguer à prier pour dire Seigneur, envoie ton feu pour les frapper. No, you don't spend time doing that. Tu n'as même pas besoin de perdre le temps en faisant cela. Do good to them. Seulement fais le bien. Do good. Fais le bien. And the hot coals will be gathered on top of their heads. Et le charbon ardent sera réuni sur la tête. And they will feel that fire. Et ils vont sentir ce feu. Amen. 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 Amen.
So you are, we are a royal priesthood. Éventuellement, nous sommes un sacrificateur. Nous sommes sacrificateur royal. Coming back to 1 Peter chapter 2, verse 9. Alors, pour revenir au livre de premier, du premier livre de Pierre, au chapitre 9. Au verset 9. Au premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 9. The Bible says that a royal priesthood and holy nation. La Bible dit un sacrificateur royal, une nation, une nation sainte. That ye, and why are we all that? Repeat again. Why are we a royal priesthood? Pourquoi nous sommes toutes ces choses un sacrificateur royal? That ye should shew forth the praises. La raison pour laquelle nous le sommes, pour que nous démontrions les louanges of him who had called you, de celui qui t'a appelé out of darkness, qui t'a appelé des ténèbres into his marvelous light, à sa merveilleuse lumière. Amen. Amen. And most of the time when people, the reason why people don't really show the praises, alors la raison pour laquelle les personnes ne rentrent pas dans les louanges. Yeah, the reason why they don't show forth the praises. La raison pour laquelle ils ne démontrent pas leur louange. It's because maybe they have not completely been taken out of darkness. C'est la raison, peut-être cette raison, c'est parce qu'ils n'ont pas été totalement enlevés des ténèbres. Because when you dwell in the marvelous light of Jesus Christ. Parce que la raison réelle, quand tu résides dans la merveilleuse lumière de Jésus-Christ. There is nothing that can prevent you from show forth the praises of God. Il n'y a absolument rien qui peut te prévenir et t'empêcher de louer le Seigneur Dieu. Because there is that light will bring joy to your heart. Parce que cette lumière apporte et apportera la joie dans ton cœur. A joy that does not, you know, that does not depend on man. Et une joie qui ne dépend pas des hommes. But a joy that depends on God. Mais une joie qui dépend de Dieu. And that is why we have been called to be a royal priesthood. C'est la raison pour laquelle nous avons été appelés à être sacrificateurs royaux. And so this morning I want to pray again for you. Alors ce matin je veux prier pour toi. If you had not been taken out of darkness into the marvelous light of Jesus Christ. Si tu n'as pas été enlevé de ténèbres à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ. People might think that it's only concerning, you know, unbelievers. Les gens vont penser que c'est peut-être seulement que les non-croyants. No, it also concerns believers. Non, cela concerne aussi même les croyants. There are a lot of Christians that are still in darkness. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans les ténèbres. That have not been taken into the marvelous light of Jesus Christ. Qui n'ont pas encore été enlevés et amenés à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ. And so I want to pray for you this morning. Alors je veux prier pour toi ce matin. So that your darkness will flee from your life. De sorte que tes ténèbres s'enfuient devant ta lumière. And that the light of Jesus Christ will shine upon your life. Et que la lumière de Jésus-Christ s'éclaire et s'éblouisse sur toi. Let us pray. Alors nous allons prier. Father, Père, Lord, we thank you for your word this morning. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. We bless your name, O Father, for it is the power unto salvation. Nous bénissons ton nom parce que ta parole est la puissance pour le salut. Unto those that believe in this word. Et la puissance du salut pour ceux qui croient en ta parole. And so, Lord, I am calling upon your name. Oh Seigneur, j'appelle ton nom. For me and for anybody else. Pour moi-même et pour toute autre personne. Who is still in darkness? Qui est encore dans les ténèbres? No matter which darkness, oh God, is still reigning upon their lives. Quelles que soient les ténèbres qui règnent sur leur vie. Father, I pray that let those darkness be rolled away in the name of Jesus. Je prie que ces ténèbres disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Let those darkness be rolled away in the name of Jesus. Je prie que ces ténèbres disparaissent dans le nom puissant de Jésus. I pray for your light to shine in our lives now in the name of Jesus. Je prie maintenant que ta lumière maintenant éblouisse dans notre vie maintenant dans le nom de Jésus. If there is any sin, oh God, that we have committed, Father, forgive, oh Lord. S'il y a des péchés nous avons commis, Seigneur, je prie, pardonne. And let your light shine in our lives. Et laisse ta lumière éblouir dans notre vie. Let your light shine in our heart, oh God. Oh, laisse ta lumière s'éblouir dans notre cœur. Let your light shine around us, oh God. Oh, laisse ta lumière s'éblouir au travers autour de nous. That our life
may become a but. De sorte que notre vie devienne un mais. A difference. Une différence. That show forth the praises of God that called us. Qui démontre la louange du Dieu qui nous a appelés. Oh Father, we thank you, Lord. Ô Père, nous te remercions, Seigneur. I thank and I bless your name. Je te remercie et je bénis ton nom. For the deliverance this morning. Pour la délivrance ce matin. I thank and I bless your name. Oh, je te remercie et bénis ton saint nom. For the Father, thank you, Lord, for every darkness that has been taken away. Oh Seigneur, je te remercie pour toutes ténèbres qui est maintenant en train de quitter. Thank you, Lord, for every darkness that was covering and hovering over your people. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ténèbres qui se mettaient sur ton peuple qui se quitte maintenant. And thank you for your light. Oh merci pour ta lumière. Oh Father of light. Oh Père de lumière. Receive all glory and honor. Oh, reçois toute gloire et tout honneur. In Jesus' name we pray. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.